Depuis le 20 décembre, la Grange de Christus de Saint-Paul-lès-Dax accueille une exposition multi-artistique organisée par la sculpteuse Maria Bouzig. Et pour inaugurer cette exposition, le public a pu assister à un défilé de mode sous le thème de la multiculturalité. Il y a quelque chose que très peu de gens savent, c'est que j'étais styliste. Dans ma jeunesse, j'étais styliste et moi-même j'ai défilé. Donc les robes qu'on a vues ce soir, la plupart ont été portées par moi-même. Les gens ne s'entendent plus, donc j'ai voulu mélanger entre asiatiques, il y avait des filles marocaines, des portugaises, des espagnoles, enfin il y avait un peu de tout. Elles n'ont pas l'habitude de défiler, effectivement, mais sont des danseuses professionnelles, voilà. On avait une danseuse aussi. Cette fille, c'est une fille qui danse au Taginier. C'est là-bas que je l'ai connue et que je l'ai invitée à venir. Ces artistes amis de Maria ont exposé leurs œuvres très variées afin qu'il y en ait pour tous les goûts. J'ai une cinquantaine d'artistes qui travaillent constamment avec moi, que je ne fais pas exposer en même temps tout le monde. Si j'ai, par exemple, quelqu'un qui me propose une expo ailleurs, j'envoie la moitié de mes artistes pour exposer ailleurs et je fais exposer l'autre moitié pour moi. Les artistes, que ce soit peintres, que ce soit sculpteurs, que ce soit photographes, entre Castets, Dax, Paris, j'ai été chercher un peu partout des artistes, voilà. Alors, il n'a pas un thème précis. Ce que je ne veux pas, c'est que deux artistes viennent avec des tableaux qui se ressemblent ou des sculptures qui se ressemblent. Moi, je fais de la sculpture. J'invite des sculpteurs qui fassent autre chose que ce que je fais moi. Et donc, j'ai choisi toujours des thèmes différents pour qu'il n'y ait pas de bagarre, en gros, pour qu'ils ne soient pas tous pareils. Comme la peinture, c'est pareil. J'essaye de toujours trouver des thèmes différents pour que quand les gens arrivent ici, ils aient le choix. Ils en aient assez pour plaire. Ce n'est pas au commencement de l'expo. À la fin, ils vont trouver quelque chose, très certainement. Comme il avait en défilé, moi-même, j'ai apporté plus des bustes de femmes et cet artiste l'a posé ici exprès parce que c'était dans le thème du défilé avec les femmes. Voilà. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir ces artistes et ces œuvres, l'exposition vous est ouverte jusqu'au 3 janvier.